C'est The X. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler sport. Puisque vous êtes pas mal de personnes, suite à ma vidéo pour rester motivée, etc., à m'avoir demandé de vous faire ma routine tout simplement. Je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez regarder et savoir de quoi je parle tout simplement. Et je vais surtout vous parler de ma routine, mais aussi de mes essentiels, ce que j'adore emmener avec moi pour le sport, etc. Ma routine dure à peu près 15 minutes, c'est une routine que j'ai depuis à peu près 8 mois, routine qui me convient tout à fait. Moi, mon but à moi, c'était surtout de me tonifier, puisque j'ai connu une très grosse perte de poids, ce qui a fait que ma peau s'est beaucoup relâchée et que j'ai dû tonifier un peu tout ça. Ce que j'ai essayé de faire et qui a marché grâce à cette routine. Ces exercices ne viennent pas d'une professionnelle, donc moi je ne suis pas une professionnelle. J'ai tout simplement cherché des exercices sur internet que j'ai regroupés pour me créer ma propre routine. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente concernant le sport, votre routine c'est votre routine, ça vous convient. C'est-à-dire moi c'est tous les jours, vous ça peut être une heure toutes les semaines ou deux fois par semaine 30 minutes. Enfin voilà, ça dépend vraiment des personnes. Donc je pense que j'ai tout dit, si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à l'aimer, la partager et la commenter, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et d'ailleurs je tenais à vous remercier puisque je vous laisse avec la suite en espérant que ça va vous plaire, c'est parti. Mon premier essentiel bien sûr c'est un sac, moi j'utilise un S-Pack mais vous pouvez utiliser le sac que vous voulez. Moi je trouve que le S-Pack c'est un sac parfait dans toutes les conditions, que ce soit pour les cours, pour le sport, pour la plage, c'est des sacs étanches. Grand, on peut mettre plein de choses à l'intérieur, ils sont tenaces, ça fait plus de 3 ans que j'ai le mien et franchement génial. Je voulais pas le mettre au placard, je voulais vraiment le recycler, du coup je me suis dit bon, vu que je l'utilise plus pour les cours, je vais le prendre pour le sport. C'est ce que j'ai fait et je trouve qu'il est vraiment parfait. C'est mon deuxième essentiel pour aller au sport, c'est ce petit brumisateur de chez Evian qui est extra tout simplement. C'est pas un brumisateur qui va vous atomiser la face avec plein d'eau. C'est quelque chose qui va aller en douceur, ça va vraiment vous faire du bien et vous relaxer après le sport ou même pendant parfois quand vous avez un coup de chaud. C'est vraiment génial. Ils en vendent en petit et grand format. Moi j'ai le petit, tout simplement parce que je voulais pas que ça prenne trop de place dans mon sac. Même si... Et vous pouvez en trouver partout, en supermarché, en centre commerciaux, en parapharmacie. Tout simplement, mon troisième essentiel c'est la musique. Mais pour écouter de la musique, il faut des écouteurs ou un casque. Moi les écouteurs c'est même plus la peine, je ne peux plus, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que ça tombe tout le temps, dès que je cours ça tombe, dès que je fais des abdos ça tombe, dès que je fais des squats ça tombe. Donc j'ai décidé de me mettre au casque, c'est beaucoup plus simple, ça tient bien. Et celui-ci, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel casque, mais moi je trouvais celui-ci magnifique. J'ai eu la chance d'aller à Los Angeles et d'aller tout simplement dans les boutiques Victoria's Secret et de la gamme Pink. J'ai eu ce casque qui est... Oh, magnifique. Je l'aime, mais comme pas possible. En plus, le son est bien. C'est de la bonne qualité. Et il est vraiment cool. Donc, voilà. Essentiel pour le sport, c'est tout simplement une gourde, une bouteille, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille de prendre des bouteilles adaptées que vous pouvez remplir. Déjà, c'est beaucoup plus économique et écologique que de tout le temps racheter des bouteilles d'eau en plastique. Moi, j'ai celle-ci, donc c'est une Tupperware. Génial. J'aime beaucoup. Hein. Vous pouvez la prendre aussi pour aller en cours, etc. Enfin, cette bouteille est géniale. Je la recommande vraiment. C'est quelque chose de génial parce que, voilà, ça coule pas dans le sac. C'est bien fermé. Et... c'est vraiment génial si vous allez faire du sport, tout simplement. Un de mes autres essentiels, c'est un pull. Parfois, on peut être surpris par le temps. Ça peut se dégrader, il peut y avoir un peu de pluie, il peut faire un peu plus froid. Donc, pensez toujours à prendre un pull avec soi. Voilà, mon cinquième essentiel, c'est un pull. Celui-ci me vient toujours de chez Victoria's Secret de la gamme Pink. Ils sont tout doux, mais voilà, vous pouvez vraiment prendre n'importe quel pull, encore une fois. C'est pas obligé de... Voilà. Donc celui-ci est vraiment extra et toujours prendre un pull, si possible avec une capuche, parce que c'est beaucoup mieux si vous voulez vous protéger, s'il pleut un peu, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ces cas-là. C'est extra, tout simplement. Les autres essentiels, ce sont des baskets, bien sûr. Je vous conseille d'acheter des baskets qui en valent le coup, parce que non, les Ben Simon, les Vans et les Victoria ne sont pas des chaussures de sport. Voilà, préférez, enfin favorisez les baskets comme celle-ci parce que franchement ça tiendra mieux votre pied et vous arriverez mieux à faire du sport avec. Croyez-moi, ça change la vie. Celles-ci ce sont des Nike Freerun 3.0, elles sont vraiment extra, j'ai rien à dire là-dessus. Elles m'ont coûté
je ne sais plus combien, mais assez cher. Mais il faut savoir que c'est la seule et unique paire de baskets que j'ai et je compte les garder pendant au moins 2 ans. Ça fait presque 1 an que je les ai. Donc je compte les garder encore pas mal de temps. Et elles sont vraiment génialissimes si vous avez la chance de pouvoir vous en acheter. Voilà, on en vend partout dans les magasins de sport, etc. Si vous habitez en France métropolitaine, je pense que ce ne sera pas difficile à retrouver ces baskets. Si vous habitez à La Réunion, il y a à peu près les mêmes modèles qui sont sortis dans pas mal de magasins de sport, tels que Decathlon, Intersport et plein de petits magasins, voilà. Et je vous les conseille vivement parce qu'elles sont extra. Par une sorte de gainage qui va vraiment se focaliser sur les fessiers et les cuisses pendant 3 minutes. Puis je passe au gainage général que je fais pendant 1 minute qui va vraiment permettre de me muscler autant au niveau des abdos qu'au niveau des cuisses. À présent, je vais vraiment beaucoup plus me focaliser sur le travail des cuisses puisque je vais effectuer ces mouvements donc de jambes. Je vais en faire 60 dans un premier temps. Puis je vais développer ma jambe et en faire à nouveau 60. Et je vais ensuite je vais déplier à chaque fois ma jambe et en faire également 60. À présent, je passe aux abdos et je vais faire juste 4 séries de 20 crunches, juste voilà pour bien tonifier mes abdos. Je ne veux pas être bodybuildée, donc je fais vraiment le minimum juste pour entretenir mon ventre, c'est tout. Et ensuite, je passe à 3 séries de 30 secondes où je reste en équilibre, donc juste sur les fesses. Et mes jambes et mon torse restent dans le vide. Et je fais des mini-pauses entre chaque série pour me détendre un peu. À présent, je vais passer aux abdos qui s'accompagnent donc d'un poids. Moi j'ai un ballon de 3 kg et je vais donc faire 2 séries de 50 tout simplement pour en faire au final 100. Entre les 2 séries je fais également une petite pause pour éviter de trop forcer. Maintenant je vais passer à l'arrière des cuisses et aux fessiers et pour cela je vais juste relever ma jambe en la laissant plier et je vais faire 3 séries de 30 levées pour chaque jambe. Surtout, levez bien, il faut sentir que ça travaille et croyez-moi, cet exercice est révolutionnaire. Et maintenant, je vais passer au squat. Et pour ça, j'utilise donc toujours mon poids de 3 kg et je fais une série de 50 squats avec les bras tendus devant, avec le ballon, et ça fait très mal. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! Et petite chose, je tenais juste à vous dire que mes vidéos seront maintenant tous les mercredis puisque c'est la rentrée. Je ferai donc des vidéos tous les mercredis à 17h. Retrouvez-moi sur YouTube. Bisous !